amis, c'est Quadrios et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 9 du monde du doublage et aujourd'hui nous allons doubler 3 personnages. Car oui, nous sommes à l'avant-dernier épisode de cette première saison, une entre guillemets, qui contiendra 10 épisodes, car je ne l'ai pas dit avant. Mais en tout cas, nous allons monter crescendo et là faire 3 voix de personnages sur la petite séquence de Spider-Man Homecoming. Nous allons faire Spider-Man, Peter Parker, Lisa et son père Adrian, alias le Faucon, mais sans le sait tous. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti. Là, tu vas faire quoi, Pete? Quoi? Après le lycée, qu'est-ce que tu comptes faire? Je sais pas, j'en sais rien. Arrête de le cuisiner! Oh, c'est simplement que tu sais bien. Tous ceux qui vont dans ce lycée ont déjà pratiquement établi leur plan de carrière, non? Oui, non, en fait, je suis dans la deuxième année. Peter, arrête, il est en stage de boîte à Tony Stark, donc en gros, je crois qu'on pourrait bien sur lui. C'est vrai, ça? Stark? Ouais, trop bien. Wow. Tu fais quoi? En fait, je suis plus en stage chez Stark Industries. Ah bon? Ah ouais, je commençais à m'ennuyer. Quoi? Tu plaisantes? Tu traînais avec Spider-Man? C'est vrai? Spider-Man? Waouh! Comment il est? Il est très gentil. Très sympa. On peut compter sur lui. Regarde, c'est trop mignon! Ah, je le veux! Je t'ai déjà vu, non? J'ai l'impression que c'est pas la première fois. Je sais pas, quelque part, on ne sait jamais parce que t'as la même voix, mais... Il y a des Decathlon Academic avec moi. Non, il était avec ma soirée. Ah. C'était une super soirée, superbe ambiance. Ouais, une très belle maison, pleine de fenêtres, super. T'es resté à peine une minute. Je suis... Non. Je veux rester plus qu'une minute. Non, t'as disparu. Non. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas disparu. Bah si, en vrai, t'as disparu comme d'habitude. Comme tu l'as fait à Washington. C'est terrible ce qui s'est passé à Washington l'autre jour. T'as eu peur? Je parie que t'étais content que ton vieux pote Spider-Man ait pu te rappliquer dans l'ascenseur. Ouais, faut dire que j'étais resté en bas et que c'est là que j'ai tout vu. Ouais. On a eu de la chance qu'il soit là. Ce bon vieux Spider-Man. Papa, c'est vert. Et voilà, c'est fini pour l'épisode 9. C'était compliqué. Parce que suivre 3 personnages, tout simplement, c'est compliqué. Parce que entre un personnage qui parle tac-tac par-dessus l'autre et tout, vu que moi je le fais en 3 essais. Du coup, à chaque fois, vous savez, le meilleur essai à la fin. Mais même si ça, des fois, il y a des petits moments d'erreur, de doublage, tout ça. Mais ça arrive, ça fait partie du jeu. C'est fun, en tout cas, c'est pour ça que cette petite série existe. C'est tout simplement pour montrer que le doublage n'est pas une chose facile. C'est une chose assez délicate, qu'il faut faire attention. Mais que c'est une chose qu'il faut prendre aussi avec humour. Comme là, je le fais en doublant divers personnages, que ce soit masculin ou féminin. Et c'est pour ça que cela existe, c'est parce que c'est une série basée un peu sur le thème du doublage avec de l'humour sur différents personnages, tout ça. Bien évidemment, si je devais faire un doublage plus sérieux, les séquences seront bien plus longues. Mais sur ça, je n'en dis pas plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Quadrios pour le monde du doublage. Et je vous dis ciao ciao, à très bientôt.